Hello les amis, c'est Diabolica pour la chaîne L'Antre de Diabolique. Et bien comme vous pouvez le voir, et c'est bon, le titre de la vidéo également, aujourd'hui ouverture non pas de une mais de deux boîtes collector, donc mini figurines pour Borderlands 3. Donc on peut voir, vous avez pu voir sur ma chaîne que j'en ai déjà ouvert 3, dont j'ai eu deux fois un Zen et la fois d'après j'ai eu ma petite Mose. Donc ici, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on va obtenir en espérant que... Non, j'ai eu Tinitina, pardon, autant pour moi. Donc j'ai eu deux Zen et un Tinitina. Donc en espérant qu'on va pas obtenir la même chose. Donc pour rappel, ce sont vraiment des unboxings, donc surprise. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et on va le découvrir ensemble. Alors, on va en prendre une, on va prendre la première. Alors, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Vous connaissez, moi j'aime bien. Alors, c'est le scotch qu'ils mettent dedans, c'est juste terrible. Alors, vidéo extérieure, si vous entendez les oiseaux, c'est normal. Aujourd'hui, je profite du beau temps. Et on peut dire que ici dernièrement, on n'a pas eu tellement de choix. Tellement de chance, surtout pas de choix. Puis, allez. Alors. Hop, voilà. Alors, prenez les paris. Que va-t-on obtenir? Donc, souvenez-vous, on peut donc obtenir, et si je monte en gros plan, donc Tinitina, le Psycho, alors Amara spécial. Donc, moi, je sais déjà à peu près à quoi elle ressemble, mais j'espère l'avoir un jour. L'Amara normal, la Lilith, ensuite Flak, évidemment, Zayn, un Claptrap spécial également, Claptrap normal, et Mose. Voilà. Alors, qu'allons-nous obtenir? J'espère. La boîte, par contre, elle a bien morflé pendant le... Oh, le trajet, celle-là. Hein. Alors. Excellent! Donc, une petite Lilith. Alors, est-ce que ça ressemble un peu à... Ah, oui. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Hein. C'est bien... C'est bien la même chose qu'on voit. Bon alors, effectivement, au niveau graphique, vous allez me dire, oui, j'entends déjà, oui, c'est pas beau, c'est nul, mais on s'en fout. Royalement, c'est du petit collector. C'est, voilà, c'est principe, il est que juste pour se faire marrer un coup, quoi. Alors, on coupe ça proprement. Hop. Alors, ma petite Lilith. Alors, comment qu'elle a mis son... Je mets son flingue la Lilith à l'envers. Ouais, ouais. À l'envers. Ouais, si on veut. Ok. Voilà, comme ça. Alors Lilith, elle sourit pas comme ça tellement. Alors on va regarder ensemble du coup, comme là c'est la première fois que je viens de l'obtenir. Alors, ah bah les... Ça va encore. Franchement, pour une figurine, une mini figurine, une mini collection, ça va. Franchement, j'ai vu des trucs quand même en made in China, évidemment. Alors, je vous rappelle quand même que c'est des trucs officiels, hein. Borderlands, hein. C'est pas des copies, ni... voilà, c'est vraiment l'officiel. Alors, je sais pas si vous voyez bien, moi, je pense quand même. Voilà, donc, bah écoutez, moi, je suis déjà bien content, parce que là, ma petite Lilith, alors... Ça, c'était la première boîte. Alors la deuxième boîte. Alors franchement, si j'ai la Lilith, je suis plié de rien. Parce que faut vous dire quand même que là j'ai acheté par lot, parce que moi j'attends un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc je vous avoue que j'achète en promo, en fait, hein, quand il y a des soldes sur les trucs comme ça. Et puis voilà, j'attends. Je suis pas pressé, hein, de toute façon. J'ai pas l'impression que voilà, ça a très bien marché. Mais bon, je vais pas dire que c'est moins cher que les mini figurines Disney là, mais franchement c'est cher quand même pour ce que c'est. Allez, deuxième boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors la boîte elle est déjà en meilleur état. Alors. Ah, encore un Zayn. Oh, vraiment pas de bol. Donc c'est mon troisième Zayn du coup. Et ben celui-là je ne vais pas l'ouvrir du coup. Ça sert pas trop à grand chose.
Voilà, un petit peu déçu, mais bah, c'est la règle du jeu, hein, c'est comme ça, c'est... Alors, mes frères, parle à ta boîte. C'est, voilà, c'est la règle du jeu. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt, parce que j'ai d'autres boîtes qui vont arriver. Donc, vous allez recevoir sûrement, très vite, sur ma chaîne, une autre vidéo. Pareil, avec peut-être une ou deux, ça dépend, parce que des fois j'en commande deux à la fois, mais j'en reçois à 3 semaines d'écart, donc on verra bien. Voilà, en tout cas ce qui concerne, donc je vous referai ma petite Lilith que j'ai eue aujourd'hui, et donc avec la petite Zane, mais bon, le double détail. Voilà, bah n'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer pour ceux qui ne l'ont pas. Alors effectivement, vous n'aurez plus le mystère, mais bon. Je sais pas si Zane, il est commun, apparemment quand même, puisque je l'ai eu 3 fois déjà. Enfin bon, voilà. Allez les amis, salut, ciao ciao.